C'est Alexis le Rossignol. Non. Eh oui. Bonjour à tous. Bonjour Tatois. Ça va les rois de la nuit? Dis donc, il y a du changement dans l'émission. Hein. Pourquoi? Camille Lavabre est arrivée hier. Qui? Ouais, Camille. Ah oui, bah Camille des Molières à la BO, c'est chouette. Hein. C'est chic. Pour l'émission. Ouais. Quelqu'un lui a dit pour le salaire. Non, en revanche. J'ai écouté la dernière chronique de Guillermo aussi. Donc apparemment, il viendra une seule fois par mois à partir de la saison prochaine. Lui, il connaît trop bien le salaire en fait. Hein. C'est quoi? C'est une pré-retraite? Comment ça se passe? Moi, une fois par mois, c'est plus une chronique, c'est un suivi médical. Comment vont tes selles, Ernesto? Celles vont bien. Ouais. J'imagine qu'Ernesto voulait arrêter. Nagui, vous lui avez dit non, si tu veux, viens toutes les 2 semaines, il y aura Riyad Sattouf. Lui, il a dit je veux bien, mais toutes les 6 semaines, il y aura aussi Riyad Sattouf. Puis vous avez coupé la poire en deux, quoi. Le grand classique. Qu'est-ce que serait la négo sans la poire? C'est ça la grande question. On doit tellement au poire. Moi, à chaque fois que j'en mange une, je lui parle, je lui dis sans toi, j'aurais jamais acheté ma première voiture. Sans toi, je l'aurais pas acquis, ce pouf à Marrakech, à 3000 dirhams, alors que le vendeur en voulait 4000. La bonne affaire. Je vais vous confier un truc, parfois moi aussi j'ai envie de dire que je veux arrêter. Ouais. Pas parce que je veux vraiment arrêter, juste par curiosité, pour savoir si on me dirait « Mais non, Alex, reste !» Sauf que j'ai trop peur qu'on me dise « Ok, pas de problème, Alex. On comprend tout à fait, on ne te retient pas. » Parfois j'écoute l'accueil. « Alex, reste. » Parfois, j'écoute l'accueil que m'avait réservé lors de ma toute première chronique Nagui. Juste pour me dire que j'ai survécu à ça. Daniel Moreau, bravo, Daniel. Alexis le Rossignol, un petit jet de nouveau qui ne va rester qu'un jour. Qui va rester qu'un jour. Oui, c'était ta blague à l'époque. Ouais. Je vis avec ça depuis 4 ans. T'as vu, j'ai arrêté, je ne l'ai pas faite à Camille. Bah oui, elle n'a pas été annoncée comme ça hier. Hein. Bon, sinon, dans l'actualité de la semaine, je suis tombé sur un article intitulé « Amélie de Montchalin appelle les Français à prendre leur douche à plusieurs pour limiter leur consommation d'eau ». On dit qu'on a les politiques qu'on mérite, hein, mais parfois je me demande ce qu'on a fait quand même. Sauf que c'est une fake news. C'est fou comme les fake news attribuées aux politiques sont crédibles aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve même que c'est dommage que ce soit pas vrai finalement. Enfin, une proposition qui liait l'utile à l'agréable. Ça aurait créé du lien quoi, avec les voisins, par exemple. Bonjour mademoiselle, je m'appelle Gérard, je viens d'aménager, on prend une petite douche. En famille, tu peux me frotter le dos, chérie? Oui, papa. Moi, je pense qu'on pourrait même aller plus loin. Ouais. Ne pas prendre sa douche du tout, mais à plusieurs. Voilà. Ça me semble une très bonne idée, simple à mettre en œuvre. Ça consiste à se réunir à plusieurs, à se foutre à poil devant une douche, mais à pas la prendre. Une aire douche, en fait. Il y en a qui en prendraient 6 par jour. Voyeur, non, super écolo. Pas besoin de serviette, en plus c'est pratique. Moi je fais ça avec les billets d'avion parfois. Pour lutter contre le trafic aérien, j'achète un billet low cost, mais je le prends pas. Ça paraît court, hein. Oui, mais si on était plus nombreux à faire ça, il y aurait moins de monde dans les avions. Eh oui. Mais bon, entre les convictions et les week-ends à Lisbonne, on connaît l'histoire. Hein. Je vous ramène des pastilles d'ananas. En tout cas, avec la sécheresse et le manque d'eau qui nous guette, se doucher à plusieurs, c'est peut-être rien par rapport à ce qui nous attend. Peut-être que dans les générations futures, bah, les gens connaîtront les toilettes qui n'évacuent les excréments que toutes les 10 personnes. Oh. Dans les trains, il y aura des tirages au sort, tu vois, avec de la revente de places comme à l'entrée des stades. Et des anciens soupeurs qui diront « Moi, c'est bon, je veux bien passer en dernier ». Ou peut-être qu'avant d'acheter de nouvelles chaussures, on devra manger les anciennes. Nike Air Max à l'échalote, on se refuse rien. Je sais pas. Nagui, bon courage avec les clous. On sait pas ce qui peut arriver. Tout peut arriver. Depuis 2020, on sait que tout est possible. En tout cas, s'il faut passer à la douche à plusieurs, je veux bien faire l'effort. D'ailleurs, je suis allé à Leroy Merlin hier pour voir les cabines, parce que celle que j'ai actuellement, en fait, si on est 2 dedans, il y en a un qui est dehors. Donc il y en a des belles, mais c'est cher. Et avec mon salaire de chroniqueur. Évidemment. Donc je vais plutôt aller faire l'écolo chez les autres. Merci Alexis le Rossignol. Ça fait combien de temps que tu es dans la bande originale? 4 saisons.